Bonsoir, Djibeti Janissarpos. Alors, en fait, vous nous avez décrit une situation où vous évoluez à contre-courant, donc qu'il s'agisse des acteurs du marché, de l'investisseur, de l'État même. Les investisseurs, je n'ai pas dit ça, c'était dans le titre. Mais les investisseurs, si vous voulez, de toute façon, tous les investisseurs ont face à un business plan toujours une attitude de qu'est-ce qu'il me raconte lui en face. Donc, faut quand même, j'ai été investisseur. Oui, d'accord. Ok. Alors, j'ai une question qui est un petit peu plus personnelle. J'aimerais savoir quelles sont vos méthodes pour gérer ce type de situation où vous évoluez à contre-courant sur le plan du mental. Sur le plan du mental ? Oui. Personnellement. Beaucoup. C'est-à-dire que ça va vous demander beaucoup d'énergie et d'un flux nerveux. Beaucoup de café. Oui. Je sais pas. Parce que c'est du mental. Il faut être zen. Je suis assez sous collet, les équipes peuvent en témoigner, mais il faut être fondamentalement, faut rester les pieds sur terre et faire avec.